Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur The Little Clay Box, une map faite par Razer L Song. Le lien sont dans la description toujours et encore et toujours. Summer Times, épisode 1 de cette map là. Welcome to The Little Clay Box. Do not use command, single player only, open to begin. Donc une map que évidemment je n'ai pas testée, mais rien que ce cube, rien que son univers visuel, du peu parce que j'ai vu quelques screens quand même, m'a rappelé quelque chose. M'a rappelé une map qu'on avait faite, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière aussi pour Summer Times. Je ne vous en dis pas plus, on verra si des gens dans les commentaires s'en rappellent et comprennent ce que je dis. Et les téléportations comme ça, ça me rappelle vraiment cette susdite map. C'est une map qui utilise à fond les possibilités de la 1.8. Donc en snapshot évidemment, on a un bouton. Donc soit on le pose ici, soit on le pose ici, je vais le poser là. Ouais. Ça me paraissait plus logique. On récupère un autre bouton, mais c'est n'importe quoi. Ok. Ok, c'était une énigme je suppose. Ah non, c'est pas fini. Hop, je vais commencer toujours par celui-ci. Hop, ouf, j'ai pris des dégâts. Je suis invulnérable. Il n'y a pas de souci avec Magic System. Option, je suis en difficulté normale, mais je suis invulnérable, il n'y a pas de problème. Ah, satiété et résistance. S'il vous plaît, patientez. J'aimerais bien que cette résistance arrête de... Enfin, ce feu arrête de jaillir de mon corps nu. Toujours être nu. Yep. Alors, on a un nouveau bouton qui apparaît. Ah, ok. Ok. Terre cuite jaune. Ok. Qu'est pas ça à Madrid. Je peux, si j'ai le droit de poser les blocs, tout simplement faire hop. Enfin, tout simplement. J'ai le droit de poser les blocs que sur ces emplacements là, d'accord, génial. Ça me va, hop là. On arrive ici, ou ici. Ici, il nous manque un bloc, donc on est forcé d'aller de l'autre côté. J'adore cette map. J'adore le concept. Ok, on récupère une terre cuite jaune. Terre cuite jaune qui ne va pas ici. Terre cuite jaune ne va pas ici. Elle va que ici. Ok, intéressant. Il y a des mécaniques de gameplay qui ne sont pas expliquées. Hein. J'ai pas lu l'intégralité du post pour être totalement honnête. Terre cuite jaune qui ne va pas ici cette fois-ci. D'accord. Donc la mécanique de gameplay change. J'ai lu le post relativement bien. Je crois pas que c'était expliqué ça. Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, c'est très intuitif quand même. Voilà, on arrive tout en haut. Donc on a terminé, entre guillemets, l'aventure de ce côté-là de la pyramide. On repasse de l'autre côté. Et hop là, on peut monter tranquillement. Bon, on va là. Et on va là. C'est beaucoup trop loin. On va ici, on récupère un bouton. Il se passe rien si j'avance ici. Non, la mécanique de gameplay principale est claire. En fait, quand on est passé ici, j'ai vu un truc un peu bizarre. Et c'est pour ça que je sentais la téléportation. Mais je ne pouvais être sûr. Vous voyez, on arrive là. On arrive là. Attendez, il y a un moment où ça va TP. Là, on a été TP. Je ne sais pas quand. Non, on n'a pas été TP, d'accord. Passons. Faisons comme si de rien n'était. Turn back. J'aime bien les chunks pas chargés. Turn back. Je sais pas pourquoi il me dit turn back. Ok. Turn back.
Turn back. Me dis pas qu'on fait exactement la même chose en boucle depuis tout à l'heure et que le chunk ne veut quand même pas charger. Mec, t'es un chunk charge. Allez. On va utiliser la technique du chunk qui charge. Voilà. Donc, turn back. Wow! C'était pas comme ça tout à l'heure. On va aller là. Ok, génial. Merci, je repars ici. Hein. Te fais pas chier. We turn back. Hop là, et on peut partir ici. Ok, je suis allé sur celui où il n'y avait pas d'issue possible. Mais bizarrement, c'est celui qui m'inspirait. Hein? Tu vois? Il y avait. Hein? Quoi? Regardez, je reviens ici. Donc tranquille, posé. Si je recule, est-ce qu'il se passe un truc? Non, si je pars là, comme ça je vois plus, je revois. Ok, donc il y a ce chemin qui a été ouvert. Et j'avais à gauche et à droite. Ok? Et voilà! Ok. C'est là, c'est là. Ici. Non, quand je regarde. Oh mon Dieu! Dès que je regarde. Mais c'est quoi ce délire? Ah, là je t'ai vu apparaître. Ok, j'ai compris où est-ce qu'on était. Mais on est perdu dans un continuum espace-temps bizarre. Ah, il nous faut une clé. Il nous faut une clé. Donc, par ici. On arrive là et on se dit, ah, je vais repartir là. Non? Et on se dit peut-être que ça ouvre quelque chose là-bas. What? J'avais un truc. J'avais un truc. Il s'était passé quelque chose. What? Mon cerveau! Non, ça c'était la feinte. On l'a déjà fait une fois, pas deux. Ok. Ok. On passe à l'espace d'après. On regarde dans toutes les directions. Ok. On passe ici, toutes les directions. Ici, toutes les directions. On se retrouve ici. Ici, pas toutes les directions. Ici. Non mais ce qui est triste, c'est qu'on a été tellement proche de ce coffre. Ici, il y avait quoi déjà? Ici, il y avait rien de pertinent. Oui, c'est un chemin. Enfin, c'est pas ça qui va faire la révolution. Je sens le son beaucoup trop bas. Ça me stresse. Non, c'est toi qui ta gueule. Ouais, ça change strictement rien en fait que marcher, mais. On avait quelque chose. Attendez, il faut que je réinitialise ce truc. Réinitialisons, voilà, c'est réinitialisé. Non, il est bloqué en position ouverte. Ok. Comme d'hab, hop, hop. 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 Non, ce chemin-là, on le connaît, il est classique à mort.
Ça décale l'accès, hein. Et là, on y était. La dernière fois qu'on a pris les dégâts comme ça, c'était bon signe. Et pourquoi pas partir ici, regarder là, arriver là, revenir là comme ça, se faire l'amour au mur, revenir ici, faire un petit saut de biche, tourner 360. Et repartir ici, s'accroupir, sauter. Ou sinon, on quitte pas des yeux ici. What? C'était juste ça? Et je l'ai trouvé tout seul. En 8h30. Mais je l'ai trouvé tout seul. Allez, on peut y aller. Easy. Ah, gros con. Ok, normal. Ne pose pas de questions. Excusez-moi les pompiers, c'est parce que je brûle que vous arrivez. Oh les bâtards. Oh les gros bâtards. Oh le troll de ce jeu. Parce que je suis obligé de ne pas m'arrêter, hein, sinon je n'ai pas la vie. Enfin, si, il y aurait peut-être moyen d'avoir la vitesse pour, en vrai. Ouais, attendez, on va y aller sans, en s'arrêtant justement. Voir si on a la vitesse pour. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, le problème, c'est qu'on sait pas si on n'a pas la vitesse pour ou si on est juste nul. Là est l'intrigue. Non, mais j'ai l'impression de me faire retourner le cerveau par des. Non, parce que. Non, je vais pas faire de test où je me suicide. J'ai déjà assez d'opportunités de mourir tout seul. Là, je peux me suicider, voilà. Parce que là, par contre, j'allais pas me faire le chemin retour normalement. Que la chance que j'ai et le talent que j'ai, je l'aurais raté, donc ça ne servait à rien. Ça, ce n'est pas possible. Ok, normal. Fait, on se fait téléporter, mais ça garde tous les éléments que ça connaissait de notre position. C'est-à-dire l'endroit où on regardait, l'emplacement exact où on était pour nous téléporter sur une surface suivante, mais en respectant, par exemple, là, voilà, si je me fais téléporter et que je suis sur ce bloc-là en regardant comme ça, bah, je serai sur ce bloc-là en regardant comme ça pour que dans mon œil ça passe correctement. Je pense vraiment que c'est ça. J'espère. Non, ça doit être un bug de lumière, ce changement de teinte. J'ai l'impression qu'on tourne en boucle. Oui, on tourne en boucle, on va faire demi-tour. Il doit y avoir une feinte. Non? On regarde derrière nous quand on tourne. Voilà. La base. Ah, un nouveau bloc. Mais quelle surprise va-t-il nous amener? Et on verra après. On continue à chercher là, de toute façon il va falloir mettre un bouton dessus. Je suppose. Bonjour, nous sommes déjà venus ici. Nous allons le faire à l'envers. C'est la clé de tous les mystères. Hé. What? Congratulations, you have completed the map. Ah oh mon dieu, elle était trop bien cette map. C'était un vrai casse-tête. C'était assez intéressant, je trouve vraiment, vraiment très, très intéressant. J'espère qu'elle vous a plu. Mon temps est optimisable, n'hésitez pas. Oh, moi, j'ai cassé. N'hésitez pas à faire la map de votre côté. Et là, je peux pas casser. Je pouvais casser que celui que j'ai cassé ou quoi? Ok. Bon, bah, n'hésitez pas, donc je disais, à faire la map de votre côté. Et à me dire, ah, moi je l'ai réussi plus vite que toi et tout, même si proportionnellement vous avez plus de chances de réussir plus vite que moi, car vous avez vu cette vidéo, sinon vous n'auriez pas entendu ce message. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains Summertime. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à me retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Unsterbleacher. Oh yeah. Allez, bye bye. Tous les liens sont dans la description.